Depuis presque 200 ans, tous les lundis de Pentecôte, dominicains et pèlerins empruntent le chemin des rois, un sentier caillouteux de plusieurs kilomètres. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. On promène les reliques et on monte jusqu'à la grotte pour prier tous ensemble. Et voilà, c'est un grand rassemblement qui date depuis très longtemps, qui existe depuis très longtemps. Sur les épaules des pèlerins, les reliques de Marie-Madeleine, une des figures principales de l'Évangile. De toute emprise du mauvais. Tous ces chrétiens qui montent vers l'église pour prier les vêpres ensemble, je trouve ça extraordinaire. Pour les catholiques, Marie-Madeleine aurait vécu durant près de 30 ans dans une des grottes de la Sainte-Baume, au pied de la falaise. Cette ascension est pour eux un chemin afin de se hisser vers elle. Cette grotte est aujourd'hui le troisième lieu de la chrétienté au monde. Le paysage, déjà, il est très prenant. Et là, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à monter. J'arrive là, je ne crie qu'un mot. Alléluia. Ça me touche beaucoup aussi, le paysage. Comme ils ont fait cette église, je ne sais pas, c'est un miracle. Bien avant la chrétienté, la Sainte-Baume était déjà sacrée. Et ouais, apparemment, c'est le bout du chemin des rois. Sur les chemins, nous rencontrons Alexandre Noël et Nicolas Houdard. L'un comme l'autre, connaissent parfaitement l'endroit. Je crois qu'il y avait deux tombeaux, trois tombeaux. Nous voici au tumulus des Béguines. La Sainte-Baume aurait en effet été un lieu spirituel avant l'ère chrétienne. On y trouve des lieux d'inhumation comme ce tumulus dit des Béguines qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et il y aurait eu également un culte à Artémis, déesse de la fécondité. Ici s'élevaient trois tombeaux de 16 mètres de diamètre et de 2 mètres de haut. Un peu plus loin, la route croise l'oratoire dit de Miette, l'œuvre des compagnons du devoir. Ici, on est sur le chemin des rois qui est composé de mémoire, je crois, de 7 oratoires qui vont jusqu'au Saint-Pilon. Et sur le parc de la Sainte-Baume, de manière plus générale, on compte plus de 200 oratoires. Pour les compagnons du devoir, le passage par la Sainte-Baume est obligatoire. Maître Jacques, le fondateur du compagnonnage à l'Antiquité, serait lui aussi enterré dans le massif. 500 000 personnes visitent chaque année la Sainte-Baume. On appelle ça du tourisme spirituel. Il y a une très forte fréquentation de ce site de la Sainte-Baume. Et depuis quelques années, on a décidé de travailler l'office de tourisme avec les sanctuaires pour développer une véritable offre de tourisme spirituel. Donc on a rejoint pour ça une association nationale qui s'appelle Ville Sanctuaire en France, avec des sites comme Lourdes, le Mont-Saint-Michel, Lisieux, Paray-le-Monial ou plus près d'ici la Salette. Loin du tourisme de masse, le tourisme spirituel s'épanouit dans le calme de la Sainte-Baume. Il faut dire qu'avec une telle nature, on reste sans voix.